condamne parce qu'il va faire ce challenge. Parce que quand je lui ai raconté tout ce qu'on programmait de faire, tout ce qu'il y avait pendant ces 3 semaines de formation et de concours, il a vraiment changé complètement d'avis. Il a dit, mais j'avais pas compris que c'était comme ça, c'est extraordinaire. Vous avez terminé vos examens, vous avez terminé votre stage. Et donc, vous êtes à la porte du marché de l'emploi. Et c'est à vous de choisir si vous voulez travailler en tant qu'employé ou si vous voulez vous-même créer votre projet. Ça peut être une création de projet immédiate, ça peut être aussi pour justement cogiter pour une création de projet dans 2 ou 3 ans après quelques années d'expérience. Mais en tout cas, je veux qu'avec à la fin de cette expérience de 3 semaines extraordinaire, vous sentez la possibilité de créer votre propre projet. Et que ce ne soit pas une idée, que ce ne soit pas juste des slogans, mais réel. Parce que les outils que vous allez avoir sont complémentaires à ce que vous avez déjà fait. Et c'est vraiment, si vous jouez le jeu, si vous êtes concentré sur les 3 semaines, c'est vraiment extrêmement formateur et ça peut vraiment vous donner des outils pour sauter le pas et oser. Alors, tout le monde va être toujours gagnant au sens de la formation, au sens du coaching, vous allez avoir, au sens de la boutique, certainement, qui va en être parce que certains d'entre vous ne se connaissent pas du tout. Nous avons quelques ingénieurs avec nous et ça nous fait extrêmement plaisir parce que c'est ce mélange entre manager et ingénieur qui va sortir plus de créativité, nous l'espérons. Mais le plus important de tout ça, c'est que vous sortez plus riche de cette expérience. Mais une équipe va gagner. Il va y avoir 13 équipes, 5 demi-finalistes, 2 finalistes et une équipe gagnante. L'équipe gagnante sera totalement accompagnée par nos sponsors, on va vous annoncer en détail après. Ils seront incubés gratuitement pendant 1 année avec du matériel et coaching. Il y aura même un peu d'argent pour démarrer le projet. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on voudrait que la première fois, une université publique met réellement en œuvre un projet qui voit le jour à l'université, qui sort de l'université et qui après devient viable. Bien entendu, nous avons un très très bel encadrement parce que les mentors seront là pour vous accompagner, pour vous conseiller. Et vraiment, notre rêve, et j'espère que ça sera une réalité grâce à vous, c'est de mettre en œuvre